Eh bien, salut tout le monde, c'est XVSK. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Alien Isolation. Ça faisait longtemps que vous le demandiez. Donc voilà, je suis de retour dessus, à mon plus grand malheur. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Et vu que c'est le nouveau PC, je ne sais pas si la webcam va bien marcher ou autre, parce que je vois qu'elle a tendance un peu à friser. Donc j'espère que ça va pas créer des soucis. Donc voilà, Alien Isolation, comme je l'avais dit sur Twitter, j'ai diminué la difficulté. Donc on va s'expliquer un peu par rapport à ça, oui je sais. Pourquoi j'ai diminué la difficulté? Parce que, pour pas vous frustrer déjà, parce que je sais que c'est un survival horror, techniquement je devrais rester dans le mode normal, tout ça. Oui, si l'alien n'était pas aussi chiant, je vous avouerais que je le ferais, mais c'est pas le cas malheureusement, donc... Pour pouvoir avancer et au moins le finir, ça serait déjà sympa. J'ai diminué la difficulté, donc ça va augmenter mes chances de survie. Maintenant, ça va pas changer le fait que l'alien va toujours me one-shotter, hein. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que normalement, je vais pouvoir le faire fuir avec le revolver. Enfin, je l'espère. Si j'y arrive pas, je vais avoir l'air con. Et il sera un peu moins fourbe que dans le mode normal, donc voilà, désolé hein, pour ceux qui voulaient peut-être me voir le continuer en mode normal, mais voilà, pour mon bien, déjà, et pour le bien du playthrough, j'ai diminué la difficulté, donc voilà, c'est la reprise, donc déjà, je vais me foutre ici, histoire de voir comment est-ce qu'on joue encore, regardez les dialogues, il est déjà là le coquin. Comment est-ce qu'on change les armes encore? Enfin, je vais voir. Je vais voir déjà ici. On va tester un peu pour voir s'il a tendance à venir très souvent. Je vais juste tester pour voir. Hein. Juste tester. Si en mode novice, il est vraiment... Enfin non, je suis pas en mode novice. Enfin si, je suis en mode novice. Apparemment, il y a encore un mode difficulté plus bas. C'est l'amateur. D'ailleurs, attendez un instant que je regarde. Jeu. Voilà. Configuration clavier. Tête, courir, utiliser, recharger, activer, fermer. Ah, menu radial, ça doit être ça. Parce que je ne sais. Non. Mais parce qu'en fait, il y a mode. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur A et. Tiens, c'est marrant, on dirait bien qu'il n'est pas du genre à... La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le code? Putain! Ah! Juste au cas où il viendrait. Passe requis. Je vais voir s'il va essayer de venir en fait. Là il vient apparemment. Il est juste au-dessus. Bon déjà comment est-ce que je récupérais les trucs? Deux, cinq, zéro. Donc c'est 2 5 0 5. Sauvegarder la partie parce que je pense pas que j'avais sauvegardé au moment où j'avais pris le code.
Voilà, on a ce qu'on a voulu. Maintenant, on va essayer d'avancer. Il est juste au-dessus de moi, cet enculé. Il est juste au-dessus de moi. Allez, bouge. Parti. Zen, Ex. Zen. Tu as tremblote, hein, déjà. C'est un vrai cauchemar ici, c'est belle. C'est pas qu'il est en face de moi, là. Non, ça va. J'ai la tremblote. Apparemment, il vient aussi moins souvent nous harceler. Alors, sûrement, des fois, il va venir comme ça sans prévenir. S'il te plaît, sois gentil. Sois gentil. Sois cool. Bon, je dois aller où, moi? Je crois que c'était ici. Samuels, j'ai des médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu des tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Donc, il est juste au-dessus de moi, là. Tu peux partir, l'alien, s'il te plaît? Éloigne-toi. Putain, il est où? Je vais vite me barrer. Oh merde. Oh là là. Ah, c'est là qu'il y avait les humains de mes couilles là. Oh merde. Désolé les gars, j'entends des voix. Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Doucement, Ex. Doucement. Bon. On est de retour au passage qui nous avait fait chier la dernière fois. L'alien là qui est dans le coin. Il irait bien, ouais. On va essayer de rester là. Bonjour! Je ne suis pas là! Je suis une ombre! Rêvez ou il y a quelqu'un ici avec nous? Non, y'a personne. C'est faux. C'est faux. Laissez-nous tranquille, ok? Vous voulez pas d'ennui? Je fais pas ça pour m'amuser! Dernière chance! Oh merde! Tiens, c'est bizarre, il est venu. Ce coup-ci, il est venu, cet enculé. Ce coup-ci, il est venu. Oh merde, juste là. Putain.
à tuer tout le monde, c'est déjà pas mal. Tu peux te barrer. Bah, tourne-toi ou autre. Sortez. Oui, il est en haut. Ah ! Il m'a eu, j'ai chié. Ah. Bon. Le vieux revolver ne lui a rien fait. Le revolver ne lui a absolument rien fait. Je suis très heureux de savoir que le revolver ne lui fait absolument rien. Ça me conforte dans l'idée que je vais encore mourir. C'est un vrai cauchemar, les 6 appels. Oui, on avait compris. Samuel, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Tous les patients en transition doivent dépêcher d'aller là-bas. Numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Voilà. Il y a un point de sauvegarde là-bas, on dirait. Amorcer l'évacuation de la maison médicale, c'est quoi ça? Oh merde. Vous sentez que ça va faire du bruit? Ah, la pression! Putain, c'est hallucinant, j'ai mis le jeu à fond. Mais je l'ai vraiment mis à fond au niveau graphisme et. Je sais pas. Ça a pas changé grand chose. Attendez, c'est là que je dois aller en fait? Oh, d'accord, c'est là. Ah! Quand même bien les boules, hein, je vous avouerai. C'est pas facile de reprendre ce jeu. À tous les coups, je vais me faire agresser. Par où, je ne sais pas, mais par à tous les coups, je vais me faire agresser. Mais je peux pas activer ce machin. Oh merde, regardez ce qu'il y a dans le regardez ce qu'il y a dans le module médical. Qu'est-ce que je dois faire exactement là? Bonjour! Ah! Je dois rétablir le courant. Juste comme ça, la map elle est où? Map! Donc je dois rétablir le courant. Qu'est-ce que je n'ai pas rétabli? Ah, sur le côté. Mais j'avais pas essayé de l'activer justement. J'ai essayé d'appuyer dessus, ça n'avait pas marché.
Ah bah non, ça veut bien, quoi. Tiens, par contre, je trouve que le son est un peu bas. Ah, c'est un peu mieux. Ah, la porte est verrouillée derrière. Excellent. Oh non. Ok, plus que ça, tiens. Copain ? Tu vas où ? Ripley, est-ce que ça va ? Ripley ? Je suis un peu avec un... C'est pas beau là. Si je lui mets un coup de taser, est-ce que ça va le tuer ? Quelqu'un est toujours là pour vous, aider à chaque étape du chemin. À chaque étape du chemin. Les infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Je vais mettre un coup de taser pour voir. Je suis pas sûr que ça va faire grand chose, mais bon. Tous les représentants commerciaux doivent se rendre aux synthétiques le plus proche. Faire pépère. Pourquoi je me touche ? Comment ça, étrange ? Yip ! Yip ! Yip ! Tu me vois ? Tu me vois ? Tu me vois ? Oh merde. Y'a personne. Remets-toi au travail. Laisse-moi te foutre un coup de taser. Ah merde ! Ça sert à quoi d'avoir un taser s'il sert à rien ? Ah ! Con, ouais. Laisse-moi bosser, wesh. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. J'ose pas courir parce que j'ai peur qu'il y ait peut-être un moyen qui descende en fait, ce con. Au moins le taser aura été efficace. Oui. Sauvegardons. Oh non, putain! Je savais. J'ai vu la baffe trop tard. Je savais qu'il y avait un moyen pour qu'il vienne. Hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'en fait il peut venir par là-bas quoi. Thank you.
Donc ok, la voie est claire. Il y a surtout un putain de bruit. Oh merde, il est juste là, fait chier. Toi, tu veux pas te réactiver là? Putain, je le vois que ça bave quoi. Je sais que je suis là quoi. C'est quelqu'un que je vois au fond là. Ah ouais, quelqu'un, putain. Chier. Je veux me barrer d'ici. Putain! Tu crois que je t'ai pas spoté, connard? Ah. Ah. Je vois rien, putain, c'est ignoble. Merci le garde. Quoi? Pourquoi? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Pourquoi il a décidé de manière totalement soudaine venir me dire bonjour? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'étais pépère. Et il est venu, comme ça. Au final, je suis peut-être pas en mode si facile que ça. Ce qui est mauvais signe en soi. La voie est libre. Oui, bien sûr, la voie est libre. C'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. Donc je vais patienter devant le truc là pour pouvoir l'utiliser. Regardez-le là. Regardez-le là, il est juste là quoi. À attendre que je passe pour essayer de me bouffer quoi. En fait, je me demande si ça m'empêche la sauvegarde. On dirait qu'il est parti. Pas sauvegarder. Techniquement, si je fais ça, ça va faire reset sa position. Des infirmières synthétiques travaillent dans ce local. Vous pouvez également.
suis pas sûr que c'était une bonne idée de passer par les conduits, mais bon. L'avantage c'est que j'ai save le jeu, donc... Si je me fais choper dans les conduits, je pourrais revenir en arrière, quoi. Apparemment, ça va être la technique la plus safe pour pouvoir passer... Malgré le bruit ignoble que ça fait. Venu en arrière, c'est cool. T'as tué ton pote là en face là, humain. T'as peine de me faire chier là, connard. Je te jure que tu m'as vu d'ici, je rigole. Ok, ça n'aide pas. Donc, le fait d'avoir mis en novice n'a servi à rien. Ok, ok. Donc on va s'amuser. J'adore. Non, franchement, j'adore. Je pensais que j'allais être tranquille, mais en fait, non, je vais pas être tranquille du tout. Génial, j'adore. Bon, tu viens de barrer. S'il te plaît, sois gentil. Sois un gentil alien. C'est barré là. C'est génial, il est partout. Je mentirais si je vous disais que j'avais pas le cœur qui bat HM mode là. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis, s'il te plaît. Thank you.
T'essaies bien de barrer, toi, là. D'ailleurs, parlant de ça, est-ce qu'il y a un point de sauvegarde dans le coin? Oh merde, il y avait un point de sauvegarde là-bas, fais chier. Échappez-vous! Je vais par où pour m'échapper? Putain, mais c'est par où je dois aller là? Il y a tout qui s'effondre là. Putain, c'est comme si j'avais pas déjà cette pression comme ça, sérieusement. Je... Warning Guard, mon nom est Julia Jones, je suis écrivain. Je traite actuellement de la mise en place. Mais je dois aller où là? Juste de Sébastopol, j'espérais m'entretenir avec vous au sujet de vos expériences sur la station. Et vous savez, les ressources médicales très limitées, l'effet psychologique de l'espace lointain. Qu'est-ce que je suis supposé faire là? Mais écoutez, docteur, j'ai entendu que récemment il y a eu une... Je suis posé aller où, là? Il ne voit absolument pas par où je dois passer. Je travaille à mon compte, sans parti pris. Je n'ai aucune affiliation avec quelque compagnie que ce soit. Je noterai toutes les déclarations que vous souhaiterez me confier. Appelez-moi. C'était pas voir là? Pourtant, c'est la seule porte qui est ouvrable. Alors là... Fermé. Putain, vous sentez qu'il va arriver à ce moment-là? Putain, mais je dois aller où là? C'est quoi ce machin? Putain, là je suis sous pression là. Ah, je suis sous pression là. Bon, reste aux annexes. Il doit forcément y avoir un truc. On va pouvoir sortir d'ici. Porte fermée. Je vais m'échapper. Mais la porte là-bas est fermée. La porte sur le côté doit être fermée aussi. C'est la porte là-bas, c'est bon. Non, c'est tout fermé. Donc comment je me tire? Est-ce que je peux avoir une idée du comment je me tire et du pourquoi? Attendez, je piche pas là. Par où je suis posé aller? Il y a le feu, il va me tuer hein, là. Mais... Putain, mais c'est par où? Ah voilà, c'était sûrement ici, j'ai activé les contrôles d'urgence. Mais je sais pas à quoi ça a servi. Non, c'est pas ici. Je suis en train de mourir là. Y'a pas un contrôle d'urgence dans le coin ici? Non, je vais mourir. Je vais mourir intoxiqué là. Putain, c'est où? Ah! J'avais la clé sur lui. Ah d'accord. Bah, fallait le dire plus tôt, hein. Ça aurait été sympa de le dire plus tôt, hein.
parce que je vais quand même mourir de toute façon là. Allez. Faut pas avoir peur du vide en effet. Bien sûr ma fille, va là-dedans, c'est sûrement là où l'alien s'est réfugié. Vas-y, n'hésite pas, va là-dedans, va là-dedans, va là-dedans. Bon. Je doute que l'alien vienne me dire bonjour dans ce couloir unissance. Par contre, j'aimerais quand même bien qu'il soit un peu plus simple. Ce serait sympa. On grimpe là-dedans. On descend là-dedans, tu veux dire. J'adore descendre des échelles parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Je revis un peu là. J'ai regagné un an de ma vie là. Oh putain, je vous jure. Cette pression immonde. Oh super. Défaut détecté. Fermeture en cours. Ouais. J'espère pour vous que l'alien ne vient pas par ici. Hein. Quand est-ce qu'on a le lance-flamme ou le pompe, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment qu'il me foute la pète dans un autre. Il manque un morceau, il faut que je répare ça. Sauvegarde d'abord. Ascenseur défaillant, réparation retour. Que je puisse m'en aller. Bon, c'est pas des gentils, donc on va se laisser ici. J'adore ce jeu. Je l'adore. Même en mode novice, il est toujours trop dur pour moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir le reprendre, quoi? Oh, putain. Vous le sentez, la déception sur mon visage, là? C'est pas fini. Commencer. Bon, allez Lou, sur ce, on va cesser ici. Prends soin de vous. Prends soin de Dragon Roy, n'oubliez pas d'avoir là. Oui, attitude. Et comme d'habitude, je trouve au cul, vous cassez la chanson, vous cassez le dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de tout partout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Par contre, je sais pas si je vais les faire l'une à la suite de l'autre, les aliens là, parce que je vous avouerai que. On va peut-être faire des pauses entre, parce que là, j'en peux déjà plus. J'ai à peine de recommencer, j'ai déjà envie d'arrêter. Allez, peace!